Donc, me voici en compagnie de Stanislas à l'intérieur de l'abbaye où nous allons commencer notre enquête. C'est pour moi, ça me rassure pas. Ça arrête pas de me souffler. Et c'est vraiment de plus en plus clair. Dico Dominus Tenebras. Invocanum Domini. Nous allons démarrer l'investigation. Est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, bonne investigation. Ces trois enfants, pour moi, c'est trois filles, trois jeunes filles. Pour moi, j'ai un petit peu cette image de fille. J'ai un symbole plutôt féminin dans ce lieu. C'est marrant, mais en fait, je n'ose pas rentrer dans cette pièce. Si c'est une manifestation de votre part, pouvez-vous recommencer? Oui, des petits frissons, oui. Ah, j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise. Pouvons-nous entrer dans la forêt? Non. Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que le fait que je sois là vous perturbe? Marthe? J'ai des frissons partout. ça fait comme un... Ouais, ça fait comme un soupir. Comme un long soupir. Hein. Regarde, c'est plus sur le scotch. Tu vois, je t'avais dit. Si vous êtes là, pouvez-vous me faire un bruit? Un son? T'es d'accord avec moi, Stanislas? Ça sonne un petit peu. Oui, moi aussi, hein. Là. Donc bon, on sait pas trop ce que c'est. Dans tous les cas, on peut vous dire que le bruit est toujours là. Est-ce qu'il n'y a qu'avec la propriétaire que vous voulez communiquer? Je sens quelque chose qui est derrière moi, qui me regarde. Un peu trapu. Oh putain. J'y arrive pas, là. Ah, il y a quelque chose qui vient de passer. Bah, comme un orbe, mais descendant. Au niveau du chandelier, là. Ça va? Mais je sais pas, j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Est-ce que Blanche de Castille est toujours ici? J'ai la tête qui est très terrible. Oh. J'aime pas qu'on me saute dans le cou comme ça. Thibaut III de Champagne, si vous êtes là et si vous êtes accompagné de vos chiens, pouvez-vous les faire aboyer pour nous, s'il vous plaît? Esprit, êtes-vous là? J'entends non, on dit non. Mais tu disais je bouge ma main, mais il n'y a rien qui bougeait. T'étais raide. T'étais complètement raide. Jean-Yves, ça m'arrangera que tu viennes. Très vite, hein.